vraiment joli. Hein. En fait, c'est ta chienne qui l'entraîne. Oui, il joue avec. Toujours. Il est content, le cheval, de jouer avec le chien. Il est jamais méchant quand même. Ça doit être drôlement agréable de travailler ici parce que c'est vert, c'est beau, il y a les montagnes derrière, c'est un cadre de vie extraordinaire. Ah oui, c'est bien comme... surtout le climat ici, nous avons le froid, mais nous avons les quatre saisons bien marquées. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà, ça c'est ma ligne droite. C'est 800 mètres. C'est plat, mais c'est une piste souple, en sable. J'ai pas arrosé ce matin parce que j'ai le camion, j'ai la... Comment ça s'appelle? Pour arroser la piste. Tombé en panne. Tombé en panne, voilà. Et... Là, encore de paddock pour les chevaux de course, là-bas, derrière. Là, la jument, il court demain la course apprenti avec Dodo, mon gars là-bas. C'est le fils de Varenne. Il court en apprenti, il a gagné deux fois avec Dodo. Il y a combien d'hectares ici, Marco? Je ne sais pas, ici c'est peut-être 60 hectares, le centre d'entraînement. Et derrière, nous avons des poulinières aussi, ici, à côté. Et là, tu as une bonne promenade, c'est pas gros bois, hein. Mais tu peux atteler les chevaux, tu sors de la route ici, et tu vas long le petit rivière là-bas. Nous avons une rivière, là tu sors, et tu peux marcher avec les chevaux dans la campagne. Tu as beaucoup de kilomètres à faire comme ça en promenade. Les chevaux qui ne s'entraînent pas sur la piste, qui sont nerveux, on peut atteler comme ça. Nous avons des roues. Faire comme ça, des kilomètres, tu as 10 kilomètres comme ça, à côté de la rivière. Plus ça va et plus je suis impressionné parce que vraiment c'est grand, c'est beau, c'est bien entretenu, c'est un cadre de vie exceptionnel, c'est un outil de travail, j'ai l'impression également top. Bon, c'est un petit peu pour ça que moi je reste à la maison et j'espère qu'on va reprendre tout à l'Italie et va repartir. Et maintenant que j'attends que l'Italie répare, j'achète des chevaux français. Avec aussi, j'ai deux propriétaires français avec mon associé. Nous avons des chevaux français ensemble. Et de plus en plus, je cherche des chevaux français pour courir en France. Je pars d'ici, je suis pas loin à Cagnes, à Lyon, à Marseille. Je peux courir à 3 heures, à 5 heures à Marseille, 3 heures et demie Cagnes de camion. Et là, quand tu as des bons chevaux, tu peux monter à faire le meeting, tu mènes des chevaux à Grosbois, si tu as la force, tu as des bons chevaux que j'ai déjà fait avant, on peut faire des bons meetings d'hiver. Alors tu viens de me dire que tu avais deux propriétaires français, comment tu expliques que tu n'en es pas beaucoup plus? Parce que personne n'y sait, parce qu'il sait qu'il peut mettre des chevaux, c'est moi. Et c'est un petit peu une écurie européenne, non? Mais personne ne sait que moi je suis français. Si. Et donc, bon, je ne cherche pas beaucoup de propriétaires, mais des amis surtout. Des amis, parce que le travail de l'entraîneur avec le propriétaire, il faut faire en confiance. C'est difficile, le travail de l'entraîneur. Donc, j'ai 50 ans, je préfère faire le travail avec des amis. Voilà. Et attaquer la France, la Suède, peut-être. Je suis déjà allé en Amérique, hein.
J'ai préparé dans un centre d'entraînement Impetogriffe. Et après, je suis monté à Paris, j'ai pris l'avion, je suis allé à Meadowlands. J'ai débuté dans la course plus belle des deux ans américains, non, de Peter Hutton Memorial. Et je suis avec le numéro 10, Autostar, il part en 10 là-bas, au restaurant, à côté du restaurant. Je suis parti, je suis troisième en batterie. Je suis en finale, je suis quatrième du betting en finale, quand il gagne Donato Nover. Et malheureux, le dernier virage, il m'a fait la faute. Et je suis sur quatrième dans les quatre. Nous sommes restés quatre en course. Donc, dommage pour la finale, mais j'ai pris la mesure qu'on peut faire ça. On peut courir en Amérique aussi, hein, si tu as des chevaux. Donc, j'espère rester à la maison, entraîner des chevaux européens et des chevaux français aussi. Et pour courir en France, parce que moi je pense que le seul pays qui monte, c'est encore la France. La France, vous avez beaucoup de passion, beaucoup de compétences, beaucoup de champs courses et beaucoup de volonté de faire du bien. Donc je pense que la France, c'est plus encore que l'Amérique. Mon rêve, c'est la France. C'est de gagner de belles courses en France, de passer des bons moments en France avec des bons chevaux. Voilà, c'est tout. Après moi, j'ai que deux filles qui maintenant sont danseuses. Donc, je serai obligé, je pars en Normandie peut-être, à travailler les chevaux français en France. Mais si je peux rester ici, je mets toute la force encore une année ou deux pour résister dans l'espoir que tout il va repartir bien. Pour être pas un grand adversaire des Français, mais partir à Vincennes avec quelques coups à tirer dans le meeting, voilà. On peut revenir sur, tu me parlais des propriétaires qui ne savent pas que tu es un entraîneur public. Pour toi, il n'y a pas de difficulté de la langue, mais par rapport au transport, c'est peut-être aussi un frein pour un propriétaire. Je suppose que quand tu te déplaces à Paris, ça ne doit pas être gratuit. Non, mais avec les petits camions, avec des bons chauffeurs, nous n'avons pas de grands coûts, de grands frais. Parce que, bon, Paris, tu vas une fois, tu vas faire le meeting, mais nous avons beaucoup de courses, si tu as des chevaux français, c'est beaucoup de champs courses à côté, comme Saint-Galmier, Feur, Lyon, les deux Lyon, les deux Marseille. J'ai connu très bien, j'ai couru partout là-bas, à Aix-les-Bains, sur l'herbe. C'est pas un problème de voyager. Des fois, quand je parle avec les Français qui courent là-bas, ils sont plus loin que moi. Ouais. Ils viennent de plus loin que moi. Donc, vous êtes habitué plus que moi à voyager. C'est comme dire France-Italie, mais France-Italie du Nord, comme ça, à côté de la France. Des fois, je suis plus à côté, moi, que beaucoup de Français. On lance un appel aux propriétaires. Alors là, ceux qui sont dans le sud, par exemple, ils peuvent venir chez toi. En tout cas, s'ils veulent venir voir leurs chevaux travailler, ils vont rêver. Hein. Voilà. C'est pas que moi je cherche publicité pour ça, parce que moi j'ai des chevaux déjà. J'ai 60 chevaux. Mais pourquoi pas? Mais c'est important de travailler avec les Français, parce que moi, je ne viens pas en France pour voler rien. Hein. Je viens pour courir. Et maintenant, c'est vrai que nous avons l'Europe. Voilà, c'est des chevaux européens. Moi, je pense que les courses, ils sont beaucoup plus belles avec des chevaux, les formes mélangées des chevaux qui viennent de loin. Là, c'est la piste ronde, c'est 1 km. Ah oui. Et à l'intérieur, la piste ronde de 800 mètres pour le chauffage. Là, c'est un fond très, très, très souple. Quand il est rosé aujourd'hui, non, mais bon. Là, j'ai une petite tribune pour le propriétaire qu'il se peut installer là-bas pour voir le travail de son chevaux. Comment tu as fait pour les trouver, tes deux propriétaires là en Normandie?
Bon, des amis, c'est loin à raconter l'histoire, mais ce sont surtout des amis. Et dernier moment, j'ai acheté un poulain pour 100 bourbons. Et nous avons acheté, moi, un napolitain et un normand. Donc, nous avons une association très, très sympa. Voilà. Toi, t'aimes être associé aux chevaux que t'achètes ? Oui, oui, parce que moi, je crois dans mon travail, donc je donne une épreuve de que je crois dans ce que je fais, je reste ensemble. Et là, quand tu touches quelque chose, si tu as la chance de faire un bon cheval, tu touches un petit peu d'argent, tu peux toucher aussi un petit peu d'argent. Mais tu prends aussi ta part de risque. Je suis content toujours de prendre ma femme. Comme je fais à l'Italie, je suis propriétaire de beaucoup de bons chevaux. Et en France, le même. Je n'ai pas peur d'acheter un cheval parce que je crois qu'est-ce que je fais. Donc, un propriétaire, il était content peut-être d'avoir un entraîneur, que c'est une amie, et ils mettent sa part. Ils croient ensemble, on va rêver ensemble, on va manger ensemble, on va passer des moments comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Le rêve des chevaux, il part dans le pré, là. Tu prends un cheval, après tu le débourres, après tu rêves Paris. Tu rêves à passer les Alpes, à partir à Paris. Voilà, c'est magnifique, ça. Pour toi, entraîneur italien, Vincennes, ça reste la référence européenne ? Ah oui, Vincennes, c'est une piste qui ne vient jamais la noix. C'est quelque chose de différent de toutes les pistes du monde. Et moi, je pense que la chose pour gagner, c'est beaucoup de chevaux dans une grande piste, une piste souple qui préserve les chevaux, bien traînus, et la volte. La volte et 18 chevaux qui courent. Comme ça, le joueur, le turfiste, il peut jouer. Et la course européenne, encore mieux, mélanger les formes. Et arrive un cheval de Turin, une de la Suède, et là tu as un bon meeting à Vincennes. C'est normal que les personnes vont jouer sur une course comme ça. Tu rêves, tu as des cotes, quand il gagne euro pour part, il peut gagner à 50 contre 1. Tu peux jouer romanesque à 45 contre 1. Ça, ce sont des choses qui font rêver tout le monde. Tout le monde a un gain, il m'a demandé, moi je pense que moi je suis toujours droit, je dis qu'est-ce que je pense. Je dis avant la course à tous les pronostiqueurs, je dis le cheval il est bien préparé, je rêve un peu de courir dans la course. Après je suis un petit peu chanceuse et j'ai gagné une belle course. Et là, pour moi c'est rêve, mais pour le joueur le même. C'est ça qu'il faut faire, de rêve. Les personnes qui jouent, ils veulent rêver, pas changer l'argent. Ils veulent rêver avec pas beaucoup d'argent, gagner beaucoup. C'est ça, mon rêve c'est de gagner à Vincennes, mais le turfiste il va rêver de gagner un coup et pour la vie. Donc c'est pas la routine que c'est bien, c'est faire des belles rendez-vous internationaux pour faire rêver les propriétaires, surtout, qui méritent, l'éleveur, les propriétaires et les turfistes aussi. Tout le monde y rêve dans des belles courses, des belles choses bien organisées. Et vous avez beaucoup de belles courses en France. Donc, moi, je suis content de préparer dans ma tête de courir là-bas. J'ai déjà fait, j'espère faire encore de belles choses. Dans les années qui viennent.